C'est toujours avec un pile esprit de positivité, d'amour et d'harmonie universelle sous Channel Haïti en action. Nous gagnons chaque semaine émission que le mettez sous pied pour nous. Minute spirituelle. Moi salue nous toutes qui tout partout sous la terre qui connecte Channel Haïti en action dans l'émission li Minute spirituelle. Moi remercie nous toutes et surtout responsables Channel Haïti en action depuis le Canada, Madame Cheron, qui trouvait que émission yo répond à demande monde qui abonné sous channel là et yo très satisfait de sujet que nous traiter chaque semaine dans émission. C'est toujours dans même esprit de positivité, d'amour, de lumière et de connaissance universelle. Nous parlons pas les jodia de pandémonium. Sujet ça est très fragile parce que gagnent un bagage que monde doit connaître et qui est un peu choquant. Nous vivons dans un univers multidimensionnel. Ça veut dire un univers à plusieurs dimensions. Lorsque nous parlons de univers à plusieurs dimensions, nous parlons côté sa sortie du point de vue scientifique. Je t'ai parlé, nous, dans un premier temps, de la théorie de Big Bang. Théorie Big Bang, ça, qui fait nous connaître au commencement, pas de gagner en rien de visible, de concret, dans l'espace infini. Et c'est à partir de une grande explosion qui t'est sortie dans le non manifesté et puis l'univers là li prend naissance. Toujours d'après les scientifiques concernant le Big Bang, l'univers là li en expansion. Il est toujours à bail des manifestations, de nouvelles manifestations. Ça t'a fait nous comprendre que tout ça qui existait dans l'univers là, il y a gagné même origine, il y a gagné même source. Nous gagnons sur le plan spirituel, dans la dimension de haute fréquence, yo parle nous avant que les mondes fussent formés. Toutes choses n'étaient qu'une, uniquement esprit, souffle universel. Le souffle était à l'origine. Il n'y avait rien, il n'y avait que seulement le souffle universel, appelé esprit. L'esprit respira et ce qui n'était pas manifeste devint le feu et la pensée du ciel. Dieu le Père, Dieu la Mère. Alors c'est à partir de pensée du ciel, principe féminin, que création
ça aurait les bing bang là, le prend naissance. Là, ça vient tomber dans le principe binaire. Pour gain création, pour gain manifestation, pour gain continuité dans espèce là ou dans tout univers là, eh bien faut gagner un accouplement de deux courants, au courant masculin et un courant féminin. Courant masculin représente le père, le feu, et courant féminin représente la mère, la pensée du ciel, qui c'est l'élément de l'eau. La science démontrait dans toute recherche que toute bagaille est sortie dans deux éléments primordiaux, ça y est. Feu et eau. L'eau et le feu, c'est eux-mêmes qui sont à la base de tout ça que nous voyons qui existait dans l'univers. L'eau marche avec terre, feu marche avec air. C'est raison ça qui fait que nous voyons toute création les repartit en un genre masculin et un genre féminin. Et le troisième, c'est le neutre, qui est le milieu, le juste milieu. À partir de ça que nous sommes là, nous sommes capables de dire toute bagaille, il y a même origine. Notre tradition spirituelle, l'Inde, qui considérait comme le berceau de la spiritualité, yo parle nous dans le même sens avec le Big Bang, la grande explosion, que relait Rudra, le grand rugissement. Rudra, le grand rugissement. Et c'est à partir de ce grand rugissement, le son émis que l'univers là a commencé en manifestation. D'après enseignement de haut niveau spirituel Ensa, Rudra, le terrible, c'est consacré l'île. C'est un aspect du Dieu créateur, conservateur et destructeur appelé Shiva. Élément feu, le grand rugissement. Et à partir de grand rugissement, ça, eh bien, toute une série d'êtres a commencé à entrer en manifestation. Nous gagnons premièrement d'après enseignement ça, qui repartit en cinq éléments, terre, eau, feu, air et éther, le cinquième élément. À partir des cinq éléments, on joint une série de êtres. Une série de religions que nous pouvons énumérer là, qu'il faut comprendre une série d'anecdotes, une série de récits pour expliquer d'une façon paio gros phénomène ça qui était gagné à l'aube de la création. Eh bien, la grande explosion ça qui aurait le grand rugissement dans la spiritualité l'Inde, Rudra, R-U-D-R-A, 9 et 3, 12 et 4, 16, 16 et 9, 25 et 1, 26, 2 plus 6, bon 8. L'État voulait faire comprendre, à partir de Rudra, que toute manifestation, tout l'univers qui est en expansion, a commencé à prendre naissance. Le grand rugissement lui représentait le son émis
le son émis par l'être appelé Rudra. Rudra, le terrible. C'est à partir de lui-même où série 2 est commencé à prendre naissance, tant que j'aime te dire tout à l'heure. Les démons commencent à prendre naissance. Les divinités commencent à prendre naissance. Et toute une série d'êtres qui existent dans l'univers là. Et à partir de création, ça qui est en expansion, qui bat ou des galaxies. Galaxies qui s'aoyent, c'est un assemblage d'un groupe d'étoiles. Il y aurait les galaxies qui différent de un système solaire qui gagne lui-même une identité mais qui est capable en dans une galaxie. Par exemple, galaxie Panouan, il y aurait la Voie Lactée. Ou capable des milliards de étoiles qui composaient galaxies. Que nous prenons un exemple, parmi des myriades qui en expansion dans l'univers noir et les multivers, galaxie Panouan, il gagne des milliards et des milliards d'étoiles. C'est ça qui fait nous parler de galaxie. C'est un assemblage d'étoiles qui fait partie de sa relais Yon. Constellation. Et en dehors de cela, ou joigne, inclus en dedans galaxie ça, toute une série de systèmes solaires avec étoiles et toute planète qui a gravité autour d'eux-mêmes de multiples façons, ou joigne des systèmes solaires. Mais il y a d'autres galaxies qui existaient en dehors de galaxies Panouan côté nous existait que maman la Terre existait là-dedans. Eh bien, à partir de création manifestée, à partir de ce grand rugissement, à partir de ce grand de cette grande explosion d'énergie, eh bien, toute une série d'êtres t'est rentrée en manifestation et c'est la hiérarchisation qui a commencé. Nous joignons, d'après une série de religions, le Dieu créateur universel, d'après des récits de la chrétienté, l'été dans la hiérarchie, dans la dimension. C'est lui-même qui dit nous qui est à l'origine de toute création que nous voyons. Et qu'on série de être que il t'a créé parfait. Et il fait nous comprendre que être ça, à un certain moment, parmi eux, t'a gagné un être lumineux, être de lumière, d'une grande beauté, d'après ce qui est dit, l'orgueil te prend naissance dans lui-même. Il te voulait détrôner le Créateur, le principe premier qui est à l'origine de tout ça qui existait, qui découlait de lui-même, en tant que créature, en tant que création. Récit ça, il y a des gens qui sont d'accord avec lui. Récit ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il fait nous comprendre, par exemple, comment un être appelé Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, pour le taguer un être que lui-même n'était créé, et qui t'a voulu détrôner, qui t'a voulu prendre place lui, et qui t'a séduit toute une série de l'autre être qui était sous contrôle lui, pour te tomber
dans ça relé ou état de rébellion. Et à partir de état de rébellion ça, pour lui-même, là il prend place de créateur là. Le chef suprême, le Dieu suprême. Est-ce que ça qui dit dans le récit ça, nous capable faire le crédit? Est-ce que les en rapport avec la grande explosion appelée Big Bang par les scientifiques, est-ce que les en rapport avec l'enseignement spirituel de l'Inde qui parle nous de grand rugissement, un gros son, un gros cri qui t'est fait et puis qui sorti dans Oudra, le terrible, c'est ça mot Oudra, v'l'ai dit, et puis une grande explosion qui fait et puis toute une série de être commencé prend naissance à partir de ce gros cri, ce son émis par Oudra. Est-ce que c'est Oudra qui est le premier né? Est-ce que c'est Oudra qui t'est baillé première apparition après le souffle respira? Est-ce que le mot souffle, le souffle respira et ce qui n'était pas manifeste devint le feu et la pensée du ciel, Dieu le Père, Dieu la Mère. Est-ce que ce souffle, c'est Oudra qui a poussé le gros cri, ou bien est-ce que c'est un autre être qui était en vent Oudra et de qui Oudra sorti? Si Lydie dit tout, que tout est un, seul l'unique existe, seul le un existe, la multiplicité, c'est encore le un qui prend différentes façons de manifestation. Et parmi ces différentes manifestations hiérarchisées, on joigne toute une série d'entités, toute une série d'êtres, que au positif, que au pas positif. Un enseignement de la Kabbale qui parle nous d'une série d'êtres qui était en état de rébellion contre le Créateur, ont parti dans la création sa yo, y aurait été fidèle à leur Créateur, et si là qui pas été fidèle à leur Créateur, eh bien, ils étaient précipités dans l'abîme. Et précipitation ça, le parle nous de précipitation dans l'abîme, il y a un rapport avec le système solaire noir, il y a un rapport avec la galaxie noire et d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies encore qui existaient dans l'univers là. Maintenant, si le grand Créateur qui a créé cet être de lumière, d'après récit de la Kabbale et de la chrétienté, il dit nous celui qui mettait le sceau à la perfection, etc. Est-ce que Créateur l'y a? Dans l'omniscience,
li pat déjà connaît que le t'a pral entrer en rébellion contre lui-même. Est-ce que créateur li a pas déjà connaît que être ça arrivé au moment que li pral opposé à lui-même? Si c'est lui-même d'après récit ça qui t'est créé le. D'après récit ça, yo fait nous connaît que le grand créateur li fait tout ça le fait avec libre arbitre. Yo gen le choix pour décider soit marcher sous volonté, soit marcher sous propre volonté pa yo. Et c'est ça yo dit nous qui t'est arrivé à une série de êtres qui t'est entré en rébellion. Et ça yo par libre arbitre que yo t'est gagné, yo t'est entré en rébellion et rébellion ça pral permettre que yo même yo vinn former un camp entre guillemets qui opposait au camp de leur créateur. Nous joignons un autre récit dans fouille archéologique. Un autre récit que nous joignons qui sorti dans Mésopotamie, dans l'enseignement que nous joignons des manuscrits en cunéiforme de l'Irak actuel, une série de tablettes argile, yo parle nous de un roi. Le roi du ciel, appelé Anu, A-N-U, qui t'a prié dans le ciel là, mais nous ne connaissons pas si c'est sous tout univers là, ou bien si c'est dans une région, ou bien une galaxie, ou bien un système solaire dans l'univers là, qui t'a décidé avec petite li tant que j'aime te parler nous dernièrement vini sous planète Terre là deux petites sayo pi grand en l'île l'autre là pi petit ya enki d'après récit ça Enki, deuxième petite là, notre travail spirituel li, li te atteint sa orele, l'illumination. Yorele Shiva, Ea, Enki, Dieu créateur de la race humaine. Nous va le faire recherche encore, parce que moi-même, moi-même, voyez, nous allons faire recherche. Parce que un vrai chercheur, les curieux, il toujours à faire recherche. Récit ça fait nous comprendre que système solaire noir, planète Terre là, l'histoire là, mais qui bol y commencer. Par ce grand roi, que aurait les dieux du ciel qui te descendent et qui te viennent bailler naissance à toute une série de créatures. Maman question créature, c'est l'être humain. Alors, petit ça que il était jaloux, d'après ça qui révélé dans l'histoire ça, du fait que il t'ait atteint l'illumination, lui-même en tant que papa, il pas atteint dimension ça. Dans la course évolutive, li, ainsi que le grand frère Enlil, ça vient permettre que la jalousie qui vient faite par rapport à Shiva et à Enki, Dieu créateur de la race humaine. Et de là, le conflit vient commencer au sein même de cette famille. Papa prend position avec premier petit lia contre
le fils cadet, Enki, Shiva, Ea. Et depuis lors, l'humanité est sous contrôle de ses deux grands frères, Enlil et Enki. Nous sommes, j'ai dit nous dernièrement, que c'est dans le continent l'Afrique que vous descendez, là vous atterrissez sur la planète là pour la première fois. Et dans l'atterrissage, ça, vous venez chercher l'or, et dans chercher l'or, une série d'êtres qui t'ont accompagné, vous n'êtes pas satisfait de gens travaillent là-dessus pour eux-mêmes, et puis vous êtes entré dans un état de rébellion. Et ça vient de perdre Enki lui-même. Un jour, il y a un singe. Et puis, il a décidé de faire un être qui semblable à lui-même. En tant qu'être de chair et de sang. Qui vient dans l'autre système. Dans l'autre planète. Qui sont Dieu. Et puis, qui te descend là. Et qui te mette laboratoire, l'écurie, les Eden. Comment il était possédé à la création de la race humaine, juste pour être capable de permettre que la race humaine ça, il continue à faire travail ça dans la mine pour extraire l'or pour même pour aller l'autre côté à lui. Mais ça qui est important, il était doté race humaine de connaissances spirituelles. Elle te mettait dans la base colonne vertébrale, côté orelé, coccyx. C'est l'énergie d'Enki, le créateur de la race humaine. Énergie, ça, c'est énergie primordiale qui est à l'origine de l'univers et de la création. L'a évolué, faut qu'il déploie et pour le faire, ou venir ou être de lumière, tout corps humain. L'or fait travail d'éveil de énergie ça que créateur Enki te mette dans la race humaine non, il te fonde des confréries qui relaient la confrérie du serpent, ça fait énergie ça le fait en forme serpentaire, les chita au niveau du coccyx côté relais mis derrière nous. Gain la des espèces, gain deux cordons qui auraient les hélices ADN, gain tout qui crée à un seul cordon. Nous t'ai parlé nous de ça dans l'émission. Eh bien, leur création ça a été fin faite. Étant donné que le père et le fils n'est pas d'accord, ils ont déclenché sous planète là, ça aurait les histoires dans la Bible là, et dans toute civilisation qui était existée avant, le déluge pour te voir si tu as disparaître race humaine là. Parce que le Père à nous s'opposait à une telle création de race humaine. Et c'est fondateur de race humaine ça, créateur ça, qui t'a fait Noé construit un bateau qui aurait les haches et qui t'a fait toute espèce entrer là-dedans et pour te permettre que la terre vienne repeupler encore. Alors, c'est là que nous joignons un aspect dans le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Toute créature yo sorti même côté, ça peut paraître choquant. Là où il y a le positif, il y a le négatif. Là où il y a le négatif, il y a le positif. Alors, nous espérons que nous fait un suivi dans une prochaine émission de sujet ça. Et c'est comme ça. Nous prenons l'autre rendez-vous sur Channel Haïti en action dans l'émission Minute Spirituelle. À très bientôt.